Tu m'as manqué, mec. Et salut, c'est Max, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur... Vraiment, on se retrouve pour un tout nouveau let's play, ça va être sur Lego Le Hobbit. Et oui, qu'est-ce que c'est Lego Le Hobbit? Ben franchement, c'est un jeu Lego vraiment dans les aventures du Seigneur des Anneaux plus Le Hobbit. Donc ça fait vraiment pas... ça fait pas mal de petites choses. Et en tout cas... moi, ça me fait super plaisir, les amis, parce qu'on va... comme ça, vous pouvez suivre la chronologie avant ou après, quand vous voulez, réellement. Mais cette fois-ci, on va faire... vu qu'on a fini dans le dernier épisode, c'était Lego, le Seigneur des Anneaux. Nous avons fini ce magnifique let's play à 100%. Donc, je vais vous faire... on va commencer déjà, hein. Du coup... comme j'ai pu le faire, j'ai mis les sous-titres, j'ai pas mis de musique parce que voilà, ça, sinon j'aurais des problèmes de droit d'auteur. J'ai regardé dans les paramètres de résolution, etc. Donc c'est bon, faut plus toucher. Ici, je pense pas non plus. Paramètres d'écran, bah voilà, c'est comment on met, etc. là. Donc, là il y a volume 10, donc on a mis 10 sur 10. Hein. J'ai activé les sous-titres, j'ai mis les musiques, non. Je vous ferai juste une fois qu'on sera pour la présentation des trésors, etc. Qui fera de la musique, mais sinon à part ça, je la désactiverai aussitôt pour pas avoir de problème par YouTube ou par le droit d'auteur de cette musique. Et du coup, voilà. En tout cas, c'est parti, hein. Et du coup, nous allons faire une toute nouvelle partie. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai tout utilisé. Donc, voilà. Donc, j'avais fait le 100% de mon côté. Puis, j'avais envie de refaire réellement les choses. Donc, on va les prendre. On va reprendre l'emplacement 1. Donc, ça date, hein. Ça date de 2022, là. On a 2022 là. Du coup, bah c'est parti, on va prendre la première. Et voilà. Du coup, c'est toujours. Et je vous laisse la cinématique. Et on en reparle tout de suite après la cinématique. Du coup, allez, c'est parti, les amis. Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures
Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Là était la ville de Del, paisible et prospère. Car cette ville était située aux portes du plus grand royaume de la Terre du Milieu. Erebor. Place forte de Tror, roi sous la montagne, le plus puissant des seigneurs nains. Sa lignée était assurée en la personne de son fils et celle de son petit-fils. Tous devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Thranduil. Seigneur, notre roi souhaite que vous supervisiez le travail dans les mines de ce jour. Bon, alors... La grandeur de cette ville fortifiée, bâtie au sein même de la montagne, était légendaire. Alors du coup, bah voilà, hein, nous sommes de retour pour un tout nouveau let's play hein, sur Lego Le Hobbit. Du coup, bah comme on dit, hein, ce sera énormément... Bien sûr, on fera 100% personnages, 100 briques. On va faire le 100% des briques rouges, les 100. On va récolter tous les personnages à 100%, les plans. Vraiment, je vous montrerai ça à la fin de l'épisode. Tout ce qu'on doit collecter. Et du coup, voilà. Donc c'est parti, donc nous sommes Thorin le Jeune et nous avons un garde nain en armure. Donc voilà. Voilà. Alors ça je ne peux pas, à mon avis il faut certainement un truc, un lasso ou je sais pas quoi là. Donc voilà. Donc tu vois, il y a les gardes qui est réellement ça. Je réponds vite fait parce qu'il y avait un ami qui m'a envoyé un petit message donc. Vous savez qui c'est, donc c'est MPC Infernal Gaming, hein, donc franchement, voilà. Hop là. Du coup, bah c'est parti, hein. Du coup, les textures sont magnifiques, hein, ça fait représenter, donc... Alors vous allez découvrir vraiment l'univers du Hobbit, hein, l'univers des sur les films sur les Hobbits. Voilà. Coucou. Il y a les nains de garde, donc les gardes royales de Erebor nous font signe. Alors il y a des... Il y a un petit peu par-ci par-là des petits oisillons qu'il faut tirer, mais à mon avis je pourrais pas les faire, pas maintenant. Donc voilà. Alors ils vont... Alors on va regarder, voilà. Maintenez B pour appuyer pour construire des objets à partir des briques Lego rebondissantes.
avant de faire ça, avant d'appeler. Voilà. Alors maintenez Y, appuyez pour afficher la roue de jeu et sélectionner. Donc voilà, donc on a train. Alors on a personnage supplémentaire. Donc là. Là en fait ça s'appelle les minerais. Les minerais ça s'appelle, bah voilà, vous devez certainement récolter, etc. Mais vous verrez bien à quoi ça va servir pour plus tard. Donc c'est très important. Ici donc on a sac à dos. Et là on a les objets qu'on a dans notre sac à dos. Donc c'est parti. Voilà. Les personnages tels que munis d'un marteau de guerre peuvent déplacer des blocs de nains. Appuyez sur X pour les cogner. Et on va reprendre Thorin jeune. Allez, hop là, on va faire ça. Alors n'hésitez pas à sponsoriser la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait les amis, franchement ça ferait super plaisir. Alors là, à mon avis, je suppose que c'est un trésor, mais on verra plus tard, hein, les amis. Pour l'instant, on fera le mode histoire. On va déjà terminer le mode histoire d'abord, avant de aller partir à gauche et à droite. Appuyez sur B pour ramasser la pierre, puis maintenez X pour appuyer pour viser et relâcher pour lancer. Donc voilà. Voilà, ça distrait les gardes. On peut passer. Le bon poulet. Bon appétit! La richesse provenait de la terre, de pierres précieuses taillées dans le roc et d'immenses filons d'or courant tels des rivières à travers la roche. Alors du coup, bah franchement ça fait super plaisir hein, on va faire réellement le 100% totalement des pièces, etc. Comme je vous ai dit, avant de commencer.
Alors je suppose on aurait peut-être Sam Yaji hein, dans le jeu, je sais pas. On verra. Et pour l'instant je peux pas faire pour l'instant donc il y a un petit mini kit du coup. Voilà. Et voilà. Donc on a une enclume. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Des articles utiles peuvent être forgés sur une enclume avec le butin Lego. Trouvé à l'intérieur d'objets Lego. Donc on va aller voir ça. Hein. Regardez. Par exemple, on a du bois. Et qui est en train de flotter. Avec des petites étoiles autour. Eh ben vous... Vous récupérez et ça m'en fait maintenant si je vais aller sur les trois par exemple, regardez, j'ai trois bois, du coup bah ça sert beaucoup et vous allez savoir pourquoi, on va comprendre réellement. Ok, il y a un petit mini-kit. Voilà. On a déjà un mini-kit. On avait compris hein. Donc c'est pour les petites personnes de taille vu qu'on a déjà appris dans Lego le Seigneur des Anneaux. Par exemple ici, un objet tel que la clé forgée de gamme peut ouvrir ce verrou. Appuyez pour B pour du verrou pour la placer. Ouais, faut un autre personnage pour faire ça, donc vous voyez un personnage qui a mal la tête par exemple, et ben vous pouvez pas faire avec ce personnage là.
En plus, ça travaille dur, hein, en plus. Donc voilà, appuyez sur B pour tourner la manivelle. Donc voilà, maintenant il y a la petite flèche qui nous dit « Ok, vous avez récupéré tout. » Donc par exemple... Mais non... On va aller voir dans le butin Lego. Et là vous voyez, bah voilà, j'ai 28 bois. Là on a des carottes, on a du pain, on a du poulet, du poisson, briques en mitrille. De la pierre, de la corde, du cuir, rubis, saphir, émeraude, diamant, or, argent, fer et cuivre. Et du coup, nous allons placer. Alors du coup, dépenser le butin Lego récolté pour créer quelque chose de nouveau. Appuyer sur les flèches, pas de... pour sélectionner le butin Lego voulu, puis appuyer sur A. Donc il nous a demandé de l'or, du rubis, saphir, émeraude et diamant. Appuyer sur X, A, B ou Y pour remplir l'anneau de forgeage lorsque la lueur apparaît. Donc. Voilà. L'habileté des nains était sans égale. Il façonnait des objets magnifique, d'une grande beauté, incrustés de diamants, d'émeraudes, de rubis et de saphirs. Donc il faut sa flûte. Les habitants de la terre du milieu peuvent vous aider et si vous leur trouvez certains objets. Une fois que vous avez trouvé l'objet, désirez appuyer sur B lorsque l'anneau bleu pour leur donner.
Voilà. Peut miner du butin Lego avec sa pioche. Appuyez sur X lorsque la lueur apparaît pour gagner un bonus de butin Lego. Beaufure. Voilà, ça je peux. Vous voyez le petit truc qui apparaît au milieu, vraiment pile au milieu? Et eh ben en fait, c'est vraiment, vous pouvez faire un méga extra de butin Lego. Récolter suffisamment de butin Lego pour utiliser cette plaque établie. Trouver du butin Lego en minant, en détruisant les objets Lego. Ok, il y a un trésor, mais je peux pas le faire. Donc on a du cuivre. On a 47 bois. On a 21 cordes et de la pierre. On a 15 pierres. Alors, voilà. Terminer la construction Lego en trouvant les pièces qui manquent à trouver-les rapidement pour recevoir un bonus de pièces. Ok. Donc, c'est parti. Je rate. Ça fait longtemps que j'ai plus fait, hein, donc... Voilà. Voilà. Faut pas que je fasse de bêtises. Ça. 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 Non, ça, j'ai dit. Toujours plus profond, loin dans l'obscurité. Et c'est là qu'ils le trouvèrent. L'Arkenstone, le cœur de la montagne. L'amour de l'or était devenu chez Thor une passion dévorante. Une maladie avait commencé à s'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan. Balin, sonne l'alarme. Qu'y a-t-il ? Un dragon. Un dragon ! Ce
C'était un cracheur de feu du Nord. Cette vie des hommes n'était rien. Les dragons convoitent l'or avec une avidité féroce. Smaug était venu. Alors, pour certains qui n'ont jamais vu le film Le Hobbit, eh ben vous découvrirez en jeu Lego. Donc on a Dory le Jeune, Thorin et Balin, pour vous servir. Bah on va prendre Balin, on va prendre Balin. Alors, on va récupérer ça. On va lire ici, comme ça vous comprendrez. Il faut deux personnages tels que Dory et Thorin pour casser en duo. Appuyez sur B pour travailler en duo, puis sur X pour détruire les grosses plaques Lego lézardées. Donc ça peut être aussi comme ça, hein. Ça peut être n'importe quel personnage de petite taille, hein. Donc voilà. Et on fait ça. Voilà, ça fait un duo. Et voilà. Et maintenant on peut détacher son duo. Donc ça c'est vachement cool. Voilà. Là, mon AI, il faut certainement peut-être quelque chose, une dynamite ou peut-être Saruman. Voilà. Mais non.
Ce jour vit des morts aussi cruelles qu'inutiles. Hop là. Alors pourquoi j'ai pas détruit ce qui est où il y avait toutes les flammes où il y a les trucs qui priaient pour faire avec Gandalf? Bah je peux pas le faire pour l'instant, il faut que j'ai Gandalf. Et voilà, 100% pièce, et c'est toujours un véritable que je fais. Hop. Regardez, si je fais ça, en fait je meurs. Mais il me remet directement dans mon droit chemin. Ça fait 2 mini-kits. Hop. Voilà. Mais pourquoi tu viens pas, toi ?
Ah, je peux pas le faire parce qu'il me faut je sais pas qui comme personnage, un lanceur de pierre peut-être. Voilà, utilisez le fléau tel que celui de pour vous accrocher au crochet Lego. Appuyez sur A, appuyez sur X lorsque dans les airs pour vous balancer sur le crochet Lego doré. Donc voilà. Mais non. Voilà. Oh, il y a Smoke. Salut Smoke. Erebor était perdu. Sauve-Skipper ! Aidez-nous ! Je vous en prie ! Tranduil ne mettrait pas la vie des siens en péril face à la colère du dragon. Aucune aide ne vint des elfes ce jour-là, ni aucun autre jour depuis. Le jeune prince nain, jamais il ne pardonna. Et jamais il n'oublia. Alors ça se termine comme ça. Le plus grand royaume de la Terre du milieu. Niveau terminé, jeu libre débloqué. Thorin, jeune. Train. Balin, jeune. Thor. Garde nain. En armure. Nouveau personnage disponible à l'achat. ...100%. Mini-kit. Événement de la Terre du Milieu, découverte. Du coup, en fait, c'est des quêtes secondaires. Passé, ok, niveau terminé. Maître cambrioleur. Donc, maître cambrioleur, à mon avis, c'est le 100% PS, à mon avis. Donc, vous voyez, en fait, les trésors, ça ressemble à ça maintenant. Les trésors, ça ressemble à ça. Les mini-kits, ça a changé. Vu que c'est des minerais, etc. Les plans, ça n'a pas changé du tout. Et les briques en mithril, ça, bah voilà, ils mettent ce rond là. Mais en fait, t'as pas le sachet dans le mithril qu'on avait pour forger pour des plans. Du coup, continue l'histoire et c'est parti. Alors, ces petits événements comme ça qui passent comme ça, je la passerai. Dans le prochain, mais comme ça, je vous... C'est là, mon cher Frodon, que je fais mon entrée. Dans un trou, vivait un hobbit. Ah ouais.
Frodon, Sam. On a Sam Gadji. On a Frodon et Sam. Donc oui, on aurait Sam du coup dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit plutôt. Alors, donc les trésors, bah voilà, ça va ressembler à ça. Il y en a pas mal. Regardez, il y a tellement de choses, des trésors, des plans, etc. Franchement, les amis, franchement, moi je vous dis que là, ça va être énorme. Regardez un petit peu le butin Lego. Du coup, franchement, ça fait plaisir. Hein. Donc voilà. Et du coup... regardez. Pourquoi il me met pas l'autre truc là? Du coup, bah maintenant on a 32 mini kits. Avant c'était 20 mini kits. Non, pas 32 mini kits. 30 briques rouges plutôt. On avait 20 briques rouges plutôt. Et là on est passé à 32. Et 160, ça a diminué des mini kits sur 180. Donc voilà, on a 98 on a 98 personnages sur 7. Du coup, il y a 16 niveaux. On a 32 plans. Du coup, voilà. Et du coup, bah voilà. On a un petit plan ici. On a une petite brique là. On a une petite brique là. On a une petite brique là. Voilà. Mais ça, on fera ça dans le prochain épisode, les amis. En tout cas, voilà, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu sur Lego Le Hobbit. Du coup, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode très très vite. Hein. Et puis voilà. Allez, n'hésitez pas à sponsoriser la chaîne si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à faire pas mal de petits pouces bleus. Ça soutient énormément la chaîne. Et si tu veux rien rater aussi d'autre, bah, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche de la notification pour ne rien rater sur sur le jeu Lego, le Hobbit à 100%, etc. Au niveau du 100% des briques rouges, des mini-kits, des personnages, la totale quoi. Et voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. C'était Max et ciao tout le monde.